La cartographie science plus que millénaire fait sa star dans la nouvelle exposition du Quai des Savoirs. En relief, trompe-l'œil ou réaliste, la carte se décline et il y en a pour tous les goûts. C'est pas seulement un travail de géographe, c'est aussi un travail de dessinateur, un travail d'artiste, mais aussi et surtout un travail de voyageur. Les premiers cartographes s'inspirent directement des récits des voyageurs et les voyageurs sont eux-mêmes des cartographes. Christophe Colomb n'aurait pas pu découvrir l'Amérique sans la cartographie. Représenter le monde, dessiner les contours des pays avec une difficulté, modéliser une sphère sur une surface plane. Une problématique moderne, bien loin de celle des aborigènes. Alors ici par exemple, on a voulu regrouper des choses qui sont, on va dire, de la cartographie archaïque, mais qui sont extrêmement intelligentes dans des peuples qui n'ont pas développé ni l'écriture, ni la boussole, ni ce genre de choses. Un voyage dans le temps à la découverte des époques et de leurs problématiques. Mais l'exposition nous invite aussi à rêver avec ces cartes de l'imaginaire. La cartographie se poursuit à l'heure actuelle et dans la connaissance, dans les fondements techniques et scientifiques, mais elle se poursuit aussi dans l'imaginaire. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est ce qu'on présente aussi dans l'exposition ici, on a de la cartographie de l'imaginaire. On a Jules Verne par exemple, était quelqu'un qui faisait lui-même ses propres cartes. À l'image de Jules Verne, rêvez-vous cartographe le temps d'une après-midi et ressentez le frisson des grands explorateurs.